Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de tous mes livres sur le tarot que j'utilise le plus, mes livres qui sont dans ce bac que vous voyez, hein, je les ai rangés sur le coin de mon bureau, ils ne bougent jamais. Évidemment ils ne sont pas tous là, il y en a que j'ai en PDF, il y en a comme la Bible du tarot, celui de je ne sais plus comment elle s'appelle, Polak que j'ai en français aussi, ceux-ci ne sont pas dedans. Mais ici, ce sont tous les livres pour apprendre le tarot et ceux avec des tirages que j'utilise le plus. Voilà. Donc, je vais mettre pause, je vais mettre le bac sous le côté et je vais vous les présenter. Du coup, j'en ai aussi, je triche quelques-uns à côté du bac aussi, puisque mon bac est trop rempli. Je reviens dans deux petites secondes. Voilà. Voilà, je vous ai remis comme il fallait sur le pied, comme ça, j'ai mes deux mains. Alors, par quoi est-ce qu'on va commencer? Peut-être par ceux qui sont à côté du tiroir. Celui-ci que je vous ai présenté cette semaine, hein, le mini-guide ultime du tarot d'Emmanuel Higier. Je l'adore, franchement, il est génial. J'aime beaucoup ce qu'il propose, en fait, dans la signification, le côté en force ou en positif, en faiblesse ou en négatif, le conseil à l'envers. Je le trouve hyper bien fait. Il sort ici le 17, oui. Vous voyez mon marque-page, j'ai piqué un autocollant à mon fils. Donc celui-ci, franchement, je l'aime beaucoup. Donc il va rester près de moi aussi. Je réfléchis où je vais les déposer. J'ai celui-ci, mon mémo tarot, tous les mots-clés pour interpréter les arcanes de Vanessa Nardari, qui a le compte Instagram LMD Cartes, comme ceci. Et je le trouve très chouette, voilà. Parce qu'en fait, elle a repris... chaque arcane, et elle a mis tous les mots-clés qu'elle avait, hein, dans la signification générale, sens inversé ou blocage, en amour, en travail, inspiration et état d'être. Et vous avez à chaque fois la possibilité d'ajouter les vôtres aussi, voilà. Et ça pour toutes les cartes, voilà, les majeures, les mineures, voilà. Donc ça, je le trouve très pratique aussi. Je ne sais pas du tout si elle le vend encore. Je vous mettrai, si il y a les livres que j'ai présentés, à la limite, si j'y pense, je vous mettrai le lien vers la vidéo que je vous ai fait la présentation. Si pas, voilà. Mais voilà, celui-là, je ne l'ai pas encore présenté. Ensuite, il y a celui-ci. Le Shadow Work d'Isabelle Serre, le journal qui éclaire tes pardons, que je trouve génial. Je vous ai fait la vidéo aussi, donc je ne vais pas m'attarder plus que ça dessus. Franchement, il a l'air vraiment très très chouette. Maintenant que j'ai fait la vidéo, je vais pouvoir commencer à écrire dedans. Ensuite, celui-là, évidemment, il n'est jamais loin. D'ailleurs, il n'est même pas dans le bac. Lui, il est au-dessus du bac. Le Tarot La Basse, hein, de Audrey Septi et illustré par Yuli de ma belle Aura Klinzel. J'adore ce livre. Vraiment, je l'adore. Déjà, il est avec plein d'humour. Il est décalé. Bon, il a eu beaucoup de succès. D'ailleurs, vous voyez, je laisse toujours mes anti-sèches ici devant. C'est dès que j'ai réimprimé et plastifié. J'ai trop peur d'abîmer les originales. Alors ici, on a un petit mot qu'elle m'avait fait, une petite carte postale qu'elle m'avait mis, la petite dédicace, et ce livre est génial. On a la pratique, la théorie, le starter pack, et j'adore. Déjà, j'adore les illustrations, et j'adore la façon dont elle amène les explications des cartes, voilà. Donc celui-ci, franchement, il est passé dans mon top préféré livre, voilà. Et à la fin, vous avez plein de tirages. Bon, si vous voulez en savoir plus, je vous ai fait la vidéo de présentation. Donc celui-ci, un incontournable. Alors, j'ai aussi ceci, hein, le coffret 78 tirages méthode pour tirer les cartes aussi d'Emmanuel Higier, que j'ai depuis très 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 longtemps, voilà. Déjà, j'aime beaucoup le coffret, que je trouve très très beau, voilà. Ici, j'ai mes anti-sèches, du coup, originales, voilà, pour ne pas les abîmer. Ah oui, non, c'est vrai qu'à l'origine, il y en a d'autres encore. Je ne sais plus si ça fait partie. Ouais, aussi, voilà, jusque-là. Le dos est super beau, en plus, hein, aux anti-sèches. Vous avez les mots-clés aux anti-sèches, mais il y a encore plein d'autres trucs. Voilà, il y a la signification des personnages de cours, voilà, la numérologie, étape pour réussir son tirage.
Ici, il y a encore des tirages aussi. Ça fait, non, je crois que ça fait partie de là. Non, oh, je sais plus. Voilà, bon, j'ai mélangé. Du coup, voilà, là, il y a des tirages aussi. Donc, ça, ce sont les anti-sèches. Je crois pas qu'ils ont le même dos. Hein. Non, voilà. Donc, ça, c'est bien les anti-sèches. Et moi, j'ai tout mis dans la même boîte, vu que ça rentre comme ça. Je les abîme pas. Et alors, ici, on a les cartes des 78 tirages avec un magnifique dos reproduit. Une reproduction. Les tranches sont comme ça. Et alors, on a, bah, comme son nom l'indique, 78 tirages. Et on a un peu tous les domaines. Franchement, celui-ci, c'est... Je l'adore. Voilà, je crois qu'elle le vend encore hein, sur son site, les mots-clés. Je ne sais plus si je vous les avais présentés. Si je vous les présentais... je vous mettrai le lien dans la barre de description. Sincèrement, je ne sais plus si j'avais fait la vidéo de présentation ou pas. Voilà. Si je retrouve, je vous le mettrai. Voilà. Donc ça, c'est les anti-sèches. Voilà. Et c'est bien parce que du coup, tout rentre dans la boîte. Même si elle se ferme peut-être pas tout à fait, tout rentre dedans. Ensuite, celui-ci. Le tarot pratique, guide facile et concret pour interpréter toutes les cartes de Margot Robert Winterhalter. Je ne vous l'ai pas encore présenté, c'est chez le Lotus et l'éléphant. Et j'aime beaucoup le concept aussi, voilà. Je le trouvais vraiment chouette. On a une introduction, puis on passe aux arcanes majeures, puis évidemment aux mineurs. Et à la fin, on a quelques tirages de tarot. Voilà, ici elle vous dit, hein, le guide que vous tenez entre les mains a été conçu pour répondre à des difficultés que rencontraient régulièrement les participants à ces cours autour du tarot, des difficultés d'interprétation, des cartes dans une position de tirage particulière et plus particulièrement la difficulté à en faire une interprétation parlante dans le sens où les cartes faisaient ressortir un problème particulier pour une personne en particulier dans des circonstances particulières. Voilà. Un des problèmes quand il s'agit d'interpréter les cartes est de se détacher des images et de faire de véritables petites histoires pour s'adresser à nous en termes concrets de pratique. Tel est l'objectif de cet ouvrage. Alors ici, comment utiliser le livre? Alors vous allez voir, pour chaque carte, on vous propose la situation, passé, présent, futur, le conseil donné, l'état émotionnel intérieur, l'idéal à atteindre ou le grand but, les influences extérieures, les forces ou qualités, les faiblesses ou les défauts, les bénéfices, les obstacles ou les risques. Je le trouve vraiment chouette. Voilà, et là on passe du coup au majeur et comme vous voyez, on a l'arcane ici, son nom. L'élément, la planète, et alors à chaque fois, pour chaque arcane, on aura ben, ce que je viens de vous dire, situation actuelle passée, le conseil, l'état intérieur, l'idéal à atteindre, les buts, les missions de vie, les influences extérieures, force, qualité, faiblesse ou défaut, les bénéfices, obstacles ou risques, et c'est très structuré, vous voyez, pour les forces, qualité, c'est juste un mot, voilà, et ça on a pour toutes les cartes, je viens vous montrer du coup, voilà, pour les mineurs, pareil. Et franchement, je le trouve hyper chouette aussi. Voilà. Et il va du coup très bien, par exemple, avec celui d'Emmanuel Higé. Et à la fin, on a aussi quelques tirages. Voilà. Donc, celui-ci aussi, je le trouve très chouette. Et il n'est pas très cher, je crois, 17,95 chez le Lotus et l'éléphant. Voilà. Donc, lui, je ne l'ai pas présenté, par contre. Alors, je vous montre vite celui-ci. Shadower Journal et Exercice de Kelly Brampton. Bramplette que je vous ai présenté aussi, qui est chouette aussi. Voilà, donc bah, j'ai mis les deux sur mon bureau. Voilà, donc si je m'attarde pas plus dessus, vu que je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Alors, j'ai craqué pour celui-ci sur Vinted. C'est le seul que j'ai en anglais. 365 Tarot Spread de Sacha Graham, parce que je le trouvais vraiment génial. Je l'ai acheté sur eBay d'occasion, pas très cher d'ailleurs, parce qu'il y a, en fait, on commence au premier jour de l'année, hein, au 1er janvier, et on a un tirage par jour, voilà, et c'est facile à traduire, en fait, hein. Avec Google Traduction, maintenant, c'est vite traduit, mais il y en a des très, très chouettes, par exemple, tirage pour les sabbats, pour les fêtes, voilà, les dieux et les déesses, ici, je sais pas comment vous le mettre pour que vous voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde comme ça. Les tirages généraux, oui, forcément. Les finances, les fées, la créativité. Enfin, voilà, et je le trouve vraiment chouette et facile à traduire. Bon, et là, il y a vraiment de matière à quoi faire. Voilà.
Donc celui-ci, c'est dommage qu'il ne soit pas traduit en français. J'ai aussi le PDF avec le livre de tirage de Barbare Amour, qui est introuvable en livre, maintenant en papier, je crois, depuis déjà très longtemps, mais j'ai eu la chance de le trouver en PDF, donc ça, je suis contente. Dans mon bac, ben, j'ai celui-ci aussi. Le histoire de sorcière tarot, parce qu'il est toujours sur mon bureau, et pour éviter d'aller toujours farfouiller dans la grande boîte qui elle est dans l'armoire, je l'ai mis sur mon bureau, voilà. Et en plus je trouve le livre hyper bien fait, voilà. Donc c'est vraiment le bac en fait que je peux, comme il y a des poignées, vous voyez, l'attraper, le promener, si je veux aller sur ma terrasse par exemple, hop, je prends le bac, je vais par là, c'est facile du coup, voilà. Ensuite j'ai les livres de Wassima. Voilà, ici, challenge avec tarot et oracle, ici au pays des animaux. Ici, ce sera tout des tirages sur les animaux, voilà. Enfin, sur les animaux, avec la thématique des animaux. Par exemple, ici, le chat, qu'est-ce qui peut m'aider à retomber plus facilement sur mes pattes après une situation particulière? Quelle empreinte positive puis-je laisser au monde, etc. Donc ça, il est chouette aussi, avec plein d'animaux. Voilà, je crois que je vous ai fait la vidéo. Ah, ben j'ai encore une carte de mon fils. Alors, il y a, je ne sais plus lequel elle avait fait en premier. Je crois que c'était d'abord celui-là, mais bon, on a aussi Autour du Monde, ici, qui va vous parler de toutes les journées mondiales. Par exemple, le 20 août, c'est la journée mondiale du moustique. Et on a un tirage dans quelles circonstances je suis capable de piquer quelqu'un. Est-ce que je réagis? Voilà. Par exemple, aujourd'hui, on a le combien, par exemple, le 16 janvier. On va voir s'il y en a un. Là, je suis en février. Bon, il n'y a peut-être pas tous les jours. Non, il n'y a pas. On va prendre le 17 pour demain, journée internationale de la cuisine italienne. Quel est mon rapport à la cuisine? Voilà, et je le trouve très chouette. Ça donne en fait plein d'idées de tirage quand on n'a pas d'idées. Et en plus, ils sont originaux. Alors ici, le 365 défis pour ceux qui n'ont pas le temps. Voilà. Et alors, il y a aussi pour les mystiques qu'elle a fait récemment. Je ne pense pas qu'elle en a sorti depuis. Je crois qu'ils sont tous dispo sur Amazon, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et ici, bah, pareil, c'est des tirages pour ceux qui manquent de temps. Voilà. Voilà. Et ça, c'est super chouette. Acceptez votre étrangeté en 7 jours. Créez votre temple en 7 jours. Le défi de perception en 7 jours. Et à chaque fois, vous avez des questions. Connectez-vous au royaume des chats en 21 jours. Avec à chaque jour une question. Par exemple, jour 11. Quelle est la capacité de guérison de mon chat intérieur? Voilà. Donc, vous voyez. Et il y a comme ça plein de petites choses. Et je le trouve très chouette. Et alors, le mystique, celui-là est déjà plus axé, on va dire, développement personnel, voilà. Et là, pareil, apprenez la logique du collage en 10 jours. Ici, par exemple, qu'est-ce qu'on a? Je crois que je vous ai fait tous une vidéo. Je regarde les titres pour vous les montrer. Et je les aime tous. Connectez-vous au féminin sacré en 8 jours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mon corps, mon temple en 1 mois. Retrouver la motivation en 8 jours. Explorer le temps en 11 jours. Voilà. Ceux-ci, franchement, ils sont vraiment super chouettes. Je les aime tous. Voilà. Je vous remonte. En plus, les couvertures sont magnifiques. Ils ont un toucher tout doux. Et j'adore celui avec les animaux. Voilà. Donc, ça, ce sont les livres de Wassima qu'on retrouve, du coup, je crois, sur Amazon. Je vous mettrai les liens si, pour les. Enfin, des présentations si je les ai fait. Évidemment, le rendez-vous avec les arcanes du tarot de Loa Strega, méthode exercice introspection, 78 récits, 78 tirages, livre d'exercice pour découvrir, s'emparer et mémoriser toutes les cartes. Voilà. Bon, moi, j'écris pas dedans, hein, je vous le dis. J'écris dans un cahier à part parce que ça me rend malade d'écrire dedans. Voilà, et à chaque fois, ben, on a la carte, l'explication, voilà. Je crois que je vais vous abaisser un petit peu, comme ça vous verrez mieux, voilà. Un peu, voilà. Et alors, ici, vous avez à chaque fois un tirage, voilà, avec des questions. Voilà, et ça pour toutes les arcanes. Bon, moi, je vous dis, j'écris pas dedans, parce que si j'ai envie de le refaire par après, j'ai peut-être pas spécialement envie d'écrire dedans. Voilà. Et puis, il est trop beau. Voilà, et vous avez ça pour toutes les arcanes. Tirage de la découverte, tirage du foyer pour la reine de Pentacle, par exemple. Qu'est-ce qui manque d'ergonomie dans mon foyer? Comment accueillir les autres sans stresser? Recommandations de la reine, etc.
Voilà, donc celui-ci, franchement, je le trouve génial pour apprendre aussi le tarot en faisant des petits tirages. Et j'aime beaucoup Loa Straga, ce qu'elle propose. Elle propose plein de chouettes workbooks aussi. Je pourrais peut-être vous montrer d'ailleurs après, en fin de vidéo, les deux, trois que j'ai déjà imprimés. Voilà. Ensuite, il y en a deux ici de Bella Ismery. 111 tirages pour votre évolution au quotidien. Celui-là, je l'ai déjà présenté. Celui-là, pas encore, pour votre révolution personnelle. Celui-ci est plus axé développement personnel. Ouais, et ce sont deux livres que je trouve géniaux aussi. 111 méthodes de tirage. Donc, vous voyez, avec tous ces livres que je viens de vous montrer, il y a vraiment de quoi pour ceux qui, comme moi, n'ont pas toujours d'idées de tirage. Avec tout ça, il y a vraiment moyen de trouver des idées, hein. Donc, on a des tirages familiers, des domaines principaux, hein, ici sentimental, professionnel, spirituel, énergétique, développement personnel. On a des tirages cosmiques, par exemple les tirages des phases lunaires, des rétrogradations des astres, par exemple quand Mercure rétrograde, saison des signes astrologiques, les tirages pour les sabbats et la boîte à tirage du mois. Voilà, et franchement, je trouve ça génial. En plus, les illustrations sont super jolies, je vous montre un peu comme ça. Franchement, je l'aime beaucoup. Voilà. Et à la fin, il y a des petites notes. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Et ça, c'est le deuxième pour la révolution personnelle. J'ai encore son petit mot. Et je vais vous montrer aussi le sommaire. Voilà. On a la première partie avec la connexion intérieure, avec l'ancrage, le taux vibratoire, énergétique, l'alignement, centrage et instant présent. Pleine conscience, féminin sacré, masculin sacré, les croyances limitantes, méditation, émotion, yin et yang, ombre et lumière, l'Ayurveda, capacité spirituelle, mantra, affirmation méditative, gratitude, intention, connexion à l'âme et progression dans la spiritualité. Puis on a la deuxième partie avec la connexion mystique, avec nouvelle lune dans les signes astrologiques, les pleines lunes dans les signes astrologiques. Les connexions initiatiques ici avec toutes les arcanes majeures. Connexion sacrée avec des challenges par mois. Connexion temporelle. Connexion magique avec les éléments. Le passage en direct des astres. Et voilà. Donc celui-ci aussi, franchement, il est super chouette. Voilà, je vous montre quelques images. Et les deux, franchement, ensemble, sont vraiment super. Et j'adore les couleurs. Voilà. Donc ça, c'est top. Ces deux-là, on les retrouve facilement sur Amazon. Alors, on continue avec celui-ci, mon cahier de tirage de Chloé Bonfil, Apprendre et comprendre comment tirer un oracle. Bon, moi, je l'avais reçu avec un souci de couverture, mais bon, ça ne m'a pas dérangé. Tiens, encore le petit papier. Voilà, et franchement, celui-ci aussi, je l'aime beaucoup, il vous aide à faire, à créer vos propres tirages. Voilà, elle en donne plein, elle vous permet d'en créer. Ici, on a le sommaire, le vestiaire de tout tirage qui se respecte, mes sources d'inspiration, ma bibliothèque de tirage, mes tirages, etc. Voilà, et ici, vous retrouvez plein de choses. Pareil, j'écris pas dedans, il est trop beau. Voilà. Traduire un oracle ou un tarot en tirage. Et franchement, il est vraiment super chouette aussi, celui-ci. Ah, il y a un carnet de tirage aussi à la fin. Mes tirages amis pour m'aider dans mes relations. Donc, ça, ce sont ces tirages qu'elle aime bien. Mes tirages bonne nuit pour retrouver calme et sérénité. Mes tirages escapades quand j'ai besoin de prendre le large, etc. Traduire votre film préféré en tirage. Et ce sont tous des petits exercices qui permettent de s'approprier les oracles ou les tarots. Ici, on peut employer les deux. Donner rendez-vous à votre tirage, etc. Donc, celui-ci, c'était chez Arcana Sacra. Je pense d'ailleurs qu'il est toujours dispo. Voilà. Ça n'a rien à voir. C'est un grimoire que j'avais reçu des éditions à l'Ange Magique. Voilà, que j'ai mis là parce que je le trouve beau. Pareil, je n'ai pas encore écrit dedans. Mais je le trouve magnifique. En plus, la couleur, le petit format. Et on les trouve encore et ils ne sont pas si chers. Bon, ils étaient à 14,95 € et ils ont vraiment une chouette texture. Ils ont un petit ruban et tout. Mais je sais qu'il y en a encore et différentes couleurs. Voilà. Alors, celui-ci.
Le médium, c'est vous, de Sylviane Jung, tarot et oracle. Le tarot psycho-intuitif, une méthode ludique à la portée de tous pour développer son intuition et ses interprétations jour après jour. D'ailleurs, j'ai acheté sur Vinted son livre sur développer l'intuition et je le trouve génial. Alors, on a une introduction. En premier chapitre, les questions que tout le monde se pose à propos du tarot psycho-intuitif. Pratiquer le tarot, l'art du questionnement, percer les secrets des arcanes et faire parler les cartes, devenir un virtuose de l'interprétation, le tarot psycho-intuitif en action, les tirages à plusieurs cartes, pratiquer le tarot psycho-intuitif en jouant avec les cartes et les tirages, et puis on a des conclusions, etc. Et je le trouve très très chouette aussi. Et il y a aussi des petits exercices très chouettes. Par exemple, je me fie à mon intuition, on vous donne deux cartes et on vous demande d'écrire quelques mots des événements de votre journée, au dernier jour, qui vous feraient penser à ça, etc. Voilà. Et je le trouve très chouette aussi, voilà, pour apprendre le tarot. Voilà, il y a des jeux différents dedans. Voilà, oh, il sent bon. Je sens la sauge blanche, voilà. Donc celui-ci aussi, franchement, il est génial. Je vous l'avais présenté aussi. J'aime beaucoup. Alors, ces deux-ci, le tarot analysis et le tarot analysis versus niveau 2. Bon, celui-ci, je l'adore. Pareil, j'écris pas dedans. Parce que je me dis que qu'on peut l'utiliser pour plein de jeux différents et j'ai pas spécialement envie d'écrire dedans, donc je fais un petit cahier en fait, voilà. Et il y a plein de jeux comme ici, celui de Poppy, le Every Day of Enchantment Tarot, le Witchling Academy, etc. Et celui-ci, franchement, il est génial, voilà. Ah, le This My Heart, j'adore. On a toujours le passé, la force, l'avenir, l'intuition, les symboles, la carte un peu décryptée. Et après, on vous donne une carte, deux cartes plutôt d'un autre jeu avec pareil. Hein, et vous pouvez faire ça à l'infini avec tous vos jeux et du journaling. Donc, celui-ci, franchement, génialissime. Oh, j'ai aussi encore le petit mot. J'aime bien garder les petits mots. Et alors, on a le versus, voilà. Avec toutes les similitudes que peuvent avoir les cartes. Voilà, elle vous explique tout ça, les ressemblances. Voilà, je trouvais plus le mot. Voilà, donc les deux sont dispo sur Amazon et je vous les ai présentés tous les deux. Voilà, donc ça, c'est génial aussi pour apprendre. On a tellement de chouettes livres maintenant, depuis quelques temps, je trouve, par rapport à il y a 20 ans, qui permettent vraiment d'apprendre en s'amusant en même temps avec des exercices pratiques et tout le tarot. Alors, il y a ensuite... Ah, j'ai tout est tombé. Ces trois-ci, qui viennent aussi de la maison du tarot de Jay. Hein. Je vous les avais présentés aussi. Donc ici, on a le tarot et les fleurs de Bach. Programme de Shadow Work, comment travailler ses émotions avec son tarot et les fleurs de Bach. Voilà. Et pareil, plein de tirages en fait. J'ai aussi son petit mot, décidément. Par exemple, ici, Red Chestnut, Marronnier Rouge, Lumière. Voilà. Et ils existent aussi en format Kindle aussi. Voilà. Donc, celui-là, il est vraiment bien aussi. Hein. Il y a aussi le tarot et ancêtres. Se connecter à ses ancêtres. Se libérer des blessures transgénérationnelles. Voilà. Avec aussi plein d'idées de tirage. Je vous les présente aussi. Et le tarot writer, écrire à l'aide du tarot pour ceux qui veulent s'inspirer du tarot, par exemple, pour écrire un roman. Ou voilà, donc ça, je trouve ça hyper original. Voilà, donc ces trois-là que j'aime beaucoup aussi. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de livres qui peuvent vous aider à trouver des idées de tirage. Bon, ensuite, je vais y arriver. Il y a évidemment le gros bébé d'Emmanuel Higer, le lire le tarot avec le Rider-Waite. Moi, j'ai une préférence pour celui-ci parce qu'il y a beaucoup plus de détails dans la description des cartes. Voilà. J'ai l'autre aussi, hein, le plus fin, mais j'aime mieux celui-ci. Voilà, parce qu'il y a vraiment toute la symbolique des arcanes qui sont bien expliquées. Et ça, moi, j'aime bien. Voilà. Voilà. Donc, celui-ci, franchement, c'est celui qui reste toujours près de moi. Voilà. Il y a la Bible du tarot aussi, il y en a plein, mais celui-ci, c'est vraiment mon grand, grand, grand chouchou. Si je devais en conseiller un, ce serait celui-là pour débuter.
Alors, celui-ci de Jessica Doré, évoluer avec le tarot, prendre soin de soi, s'accepter et grandir. Voilà, celui-là aussi, très intéressant. Je vous l'ai présenté aussi il n'y a pas très longtemps. Ici, plutôt, avec une approche plutôt psychologique, voilà, je trouve. Mais très chouette aussi. Voilà, avec plein de textes. Et je l'ai beaucoup aimé aussi. Voilà, donc si vous voulez voir la review, je l'ai déjà présentée aussi. Alors, ça, c'est un petit carnet qui est venu s'incruster là. Mon carnet magique, 40 fiches décorées à remplir pour conserver vos tirages. J'aimais bien l'aspect. Je l'ai trouvé sur Amazon, en fait, voilà. Et c'est ça qu'on peut détacher si on veut. Je trouvais ça tellement mignon, c'était pas si cher. Je sais plus combien c'était, mais c'était pas très cher. Je trouvais trop mignon, donc j'ai craqué. Alors, j'ai aussi ici un cahier que j'ai laissé là, mon cahier spiritualité. Sur le tarot de Lilith Tarot. Bon, j'en ai plusieurs, hein, voilà. Hop, il y a encore marque-page avec mes nounous, voilà. Voilà. Donc celui-là aussi, il reste tout le temps là. Alors, j'en ai encore pris quelques-uns qui étaient dans l'armoire derrière moi, tant qu'on y est. La Bible du tarot de Rachel Pollack, voilà, c'est ça, je trouvais plus son nom, que j'ai la chance d'avoir encore en français, que j'avais acheté. Il y a déjà un petit moment, il m'avait quand même coûté assez cher, quand même une septantaine d'euros, je crois. Malheureusement, il n'est plus édité en français. C'est bien dommage parce que franchement, c'est une pépite. Voilà. Donc celui-ci, je vous le montre vite fait comme ça. Hop, hop, hop. Alors celui-là que j'ai depuis, je dirais bien 20 ans. La Bible du tarot, je ne sais pas s'il y a une date dans cette édition. Ah ben non, j'exagère. 2006. Donc j'exagère un petit peu. Celui-là aussi, franchement, il est très très chouette. J'adore cette collection, hein, les Bibles. Il y a la Bible des chakras, la Bible des anges, la Bible des cristaux. Enfin, il y en a plein. Et franchement, ils sont super géniales. Voilà. Donc celui-ci, il est toujours dispo, mais c'est plus la même couverture, je crois. Voilà. Il y a plein d'exemples de tirages aussi dans celui-ci. Franchement, il est génial. Voilà. Et il n'est pas si cher que ça, je crois. J'en ai encore, j'ai encore ceux de Kevin Meunier aussi, mais ceux-là, j'ai pas pris. J'ai encore l'histoire du tarot d'Isabelle Nadolny aussi, mais j'ai pas pris. Voilà. Alors ici, ça, c'est un livre, il me semble qu'il vient avec un tarot, le compagnon du tarot classique. Voilà, le tarot classique que j'ai, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, je trouve qu'il est très joli. Le tarot est quelque part dans mes affaires, dans les armoires derrière. Voilà. Et bah, c'est comme par amour, c'est une pointure. Hein. Dans les tarots, voilà, ailleurs on a pas mal de choses, hein. Mots-clés, renversés, astrologie, éléments, les symboles. Et j'aime beaucoup les illustrations modernes, mais très jolies, je trouve, voilà. Je ne sais pas s'il se vend encore, celui-là, par contre. J'adore ça, c'est le dos des cartes. Et il suit le rider et il est beau, voilà. Donc ça. Alors, celui-ci. Se développer, s'épanouir avec le tarot divinatoire, même quand on n'y connaît rien. 52 exercices et 78 cartes détachables de Caroline Etchenazy. Voilà, et c'est encore une fois un livre avec ben, plein d'exercices. Voilà, et hyper chouette. Voilà, comme vous voyez, moi j'écris pas dans les livres, hein, le tirage de la nuit, tirage héroïque. Voilà, et je trouve très chouette apprendre à connaître le tarot. Je trouve ça chouette d'avoir plein de livres comme ça, justement. Et ici, on a le tarot détachable, que perso, j'ai pas détaché. C'est un radio-rouide classique, voilà. Au loin, la peur, le chemin personnel. Et je le trouve vraiment très, très chouette aussi. Il y a vraiment de quoi faire. Alors, j'ai ceci depuis très longtemps aussi. 22 tirages de tarot psychologique et divinatoire, c'est aussi de... D'Emmanuel Higer, je vais y arriver. Voilà, avec des petits tirages comme ça sur le côté psychologique et divinatoire. Donc ça, je ne sais pas si elle les a encore, par contre, ceux-là. Alors, le tarot pour débutants de Meck Ayers, voilà, que j'aime bien aussi. Voilà, on a à chaque fois, on a plein de modèles de tirage. Et après, pour les cartes, ben, vous voyez, par exemple, ici, l'étoile.
On a plein de choses, hein, la symbolique renversée, signification mystique, les symboles, carte de soutien, d'opposition, les questions à se poser, etc. Et je le trouve très chouette aussi. Voilà. Je vous montre un petit peu, comme ça, vite fait, si j'y arrive. Voilà, donc celui-là aussi, il est très chouette. Celui-là aussi, je pense que je vous l'avais personné. Présenter épanouissement et développement personnel à l'aide du tarot. Alors celui-là aussi que j'aime beaucoup, mais je pense qu'on ne le trouve plus. Je suis pas certaine. Je vais un peu faire comme ça parce qu'il est tellement grand. Celui-là aussi, je l'adore, franchement. Il y a beaucoup de choses. Comprendre le chariot, chariot et l'astrologie et la cabale, le sens droit, sens inversé, le message de sagesse, les symboles. Franchement, je l'aime beaucoup aussi, celui-ci. Voilà. Je sais qu'il existait encore en anglais. Je sais que quelqu'un m'a dit qu'il l'avait trouvé d'occasion il n'y a pas longtemps. Si vous le voulez, il faut regarder un petit peu sur Vinted. Mais il ne semble pas qu'il a été... Bah, peut-être que oui, hein. Peut-être qu'il a été republié, je ne sais pas. Voilà. Mais celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Mais celui-là, il est tellement encombrant qu'il ne rentre pas dans ma boîte. Du coup, il va dans la bibliothèque. Et alors, bah, pour terminer, je peux vous montrer... vite fait, hein. Ouh, ma petite farte. Je ne sais pas trop comment je vais faire pour vous, comme ça peut-être. J'ai encore les tirages de ma belle Audrey ici. Alors, j'ai les mots-clés ombre et lumière de Loa Strega. Voilà, elle a fait ça comme ça, un petit récapitulatif. Alors, je me suis fait le plaisir de prendre le programme de Caro et le Tarot. C'est comment encore que ça s'appelle? J'ai oublié son nom. C'est très bien. Sur le fait de prendre soin de soi, voilà. Et ben, j'ai oublié. Comment est-ce que ça s'appelait encore? Un an de self-care, voilà. Heureusement que c'est écrit. Et du coup, on a une lettre par mois. Mais bon, maintenant, les inscriptions sont finies. Ensuite, j'ai pris le workbook du Shadow Work et Like Work. Ça, c'est de Nick Starrow. 50 modèles de tirage pour apprivoiser ses ombres, que j'aime beaucoup aussi regarder. Par exemple, peur de l'échec, il y en a plein, ben forcément il y en a 50, voilà. Il y a le tirage de la pizza, tirage hamburger, et je trouve ça très chouette, voilà. Alors, j'ai pris le sixième sens, développe ton intuition avec le tarot psychologique. Théorie, méthode, tirage, rituel, exercice, méthode, méditation guidée. En 5 semaines de pratique tarologique et introspective chez Loa Straga. Oui, c'est toujours des très jolies choses qu'elle fait. Hein. C'est classé par semaine. Là, on est dans quoi? Je regarde, hein, parce que... Mais je ne les ai pas tous imprimés, parce que, bon, forcément, quand on imprime le papier, ça va vite. Et alors ici, on a le Wonderland Exploration d'elle aussi. Ton cahier d'introspection au Pays des Merveilles. J'ai l'autre aussi qu'elle avait fait. Je crois que c'est Chihiro. Un parcours de 10 jours, 40 questions de journaling. Voilà. On a par exemple le Caterpillar, de la Reine de Cœur, Alice, Bois-moi, etc. Et j'aime beaucoup. À chaque fois, on a une belle illustration, en fait. Regardez. D'ici, d'un livre, je crois. Et alors, à chaque fois, on a des tirages. Voilà. Mon défunt, j'en ai plein hein, de tarot. Voilà, du coup, on a fait un petit peu le tour d'une partie, du coup, de mes livres que j'utilise le plus, qui sont souvent près de moi, sur mon bureau, pour travailler, pour apprendre le tarot. Donc, vous avez vu, il y a toute une partie avec des livres, avec plein d'idées de tirages, que je trouve génial. Il y a une partie d'apprentissage aussi. Enfin, il y a un peu de tout, voilà. Franchement, maintenant, je pourrais rajouter le shadow work, voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si cette vidéo vous a intéressé. Vous avez été plusieurs à me dire que vous aviez envie que je vous la fasse. Il y a peut-être des livres que vous ne connaissiez pas, que je vous fais découvrir, du coup, et qui pourraient vous intéresser. Vous pouvez me dire aussi si on en a en commun, pourquoi pas. Voilà, je vous mettrai dans la barre de description, je vais essayer de mettre les titres et je vous mettrai, si je les ai fait une vidéo de présentation, je vous mettrai le lien
aussi en même temps, ça va me prendre un temps fou encore de vous noter tout ça, mais comme ça, vous aurez plus facile à les retrouver. Voilà. Mais du coup, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi, que cette vidéo, ben, vous aura inspiré. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!